faut toujours rester humble face à l'ultra-trail. Alors, l'humilité, c'est un mot qu'on entend souvent dans ta bouche. Est-ce que, bon, outre le fait que c'est un peu gonflant, les gens qui se prennent le melon, mais qu'est-ce que ça permet concrètement, l'humilité, quand on aborde une course? Pour moi, c'est un petit peu la base de ma pratique et de ma façon de pratiquer. C'est-à-dire qu'en fait, si j'arrive sur une course en me disant waouh, je vais gagner, je vais exploser la course, ben, on est quasiment sûr d'être face à un échec derrière. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ben, il suffit que le corps soit pas au rendez-vous ce jour-là, il suffit que la course elle puisse pas avoir lieu ce jour-là, il suffit que ben, y ait des gens plus forts que soi. Il y a plein de possibilités d'échec et forcément, ben, du coup, on s'offre la possibilité d'être déçu. Que ben moi, du coup, j'ai pas du tout envie de cette optique-là. Déjà, je me dis que c'est une grande chance de pouvoir participer à cette course et que quoi qu'il arrive, il faut voir que ce sera plutôt une réussite et d'en tirer les choses positives. Donc voilà, quand je me mets au départ d'une course, je me mets clairement, et c'est vrai, c'est en me disant waouh, est-ce que je vais pouvoir aller au bout de ce défi-là, quoi. C'est-à-dire courir 170 km, 10 000 mètres de dénivelé en essayant de le faire le plus vite possible. Bah c'est chaud, quoi. C'est pour tout le monde, c'est dur, quoi. Pour le premier comme pour le dernier, quoi. C'est pour ça que je reviens rarement une course d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si la course elle s'est super bien passée, que tu gagnes, que tu bats le record de l'épreuve, l'année d'après tu y retournes, tu te dis bah en fait pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Donc forcément au fond de toi tu vas dire bah ouais, j'ai réussi, pourquoi je réussirais pas. Et du coup, pour moi, c'est pas l'attaque que j'ai envie d'avoir au départ de cette course là Donc oui, je pense qu'il faut attaquer ça en étant en ayant un peu d'humilité sur sa performance, sur ses capacités à soi, et aussi par rapport à la montagne, parce que le trail, c'est pas une course sur route, c'est pas de la piste, c'est pas un parcours qu'on peut faire par tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont régulièrement annulées, régulièrement stoppées, en hiver encore plus, où on se dit, on peut pas se dire bah tiens, je vais aller là-bas. Non, en fait, si à un moment les conditions elles le permettent pas, s'il y a une corniche, il y a des avalanches, si le regel n'est pas bon, si la météo on n'y voit rien, enfin voilà, il faut s'adapter en permanence. Et pour ça, il faut se dire que bah, la montagne, c'est toujours elle la plus forte, c'est toujours elle qui gagne. Donc en fait, voilà, ok, j'espère aller faire ça, j'espère pouvoir faire ça, ça, ça ou ça. Maintenant, j'ai, quoi qu'il arrive, m'adapter à la montagne pour faire corps avec elle, pour pas trop prendre de risques et pour essayer de revenir en entier avec le sourire.